pas mal. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzosen? Classique. Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat. Oh oui. J'ai dit, il n'y a pas une culture française. Mais c'est la vérité, ou alors que ceux qui disent cela aillent me dire si Picasso, Chagall et quelques autres sont dans la culture française, dans leur définition. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Et on dirait qu'il vient de découvrir l'Amérique, le mec. Découvre déjà ton programme, Manu, ça sera déjà pas mal. Au-delà des étiquettes rap, rock, enfin les styles musicaux, moi j'ai le sentiment que la musique et l'art en général, c'est cette possibilité de partager des émotions. We used to do. Oui, je suis venu vous offrir un livre. Voilà. Un livre de Jean Giono. Peut-être que vous le connaissez déjà, il s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». Oui. Vous le connaissez? Oui. Auparavant, je voudrais vous lire juste... C'est un livre fondamentalement immoral. Immoral? Parce que les rapports entre les êtres sont difficiles, mais c'est tellement, tellement loin de ce que tu penses. Je voudrais être une tortue, mais j'y arrive pas, on va dire. Il faut changer toutes les serrures, en haut et en bas. J'ai quelque chose à vous dire. Dans ce pays, il y a peut-être des descendants, mais surtout, il y a des dirigeants sans cran. Donc maintenant, François Hollande, par exemple, il a l'occasion de montrer sur le dernier fil que son adversaire, c'est la finance, qu'il peut faire des réquisitions, qu'il peut interdire les produits Whirlpool sur le territoire français, qu'il puisse sortir de l'impuissance et se bouger le cul. Je vous remercie.